Paul. Oui, Adrien. Oui, bonjour. Adrien. Oui. Ça va, Martinette. Bon, toutes félicitations, hein. Je lis le journal. Ah, merci, c'est gentil. Et à l'occasion, passe à mon atelier. Bah, ouais, si tu as le temps, hein. Si, bon, si je veux, je. Une minute à me consacrer. Pas sûr, hein. Voilà, okay. Quand tu veux. Allez. Allez, ciao. La Corse, île de culture, île d'aventure, mais aussi et surtout île de peinture. Vous y trouverez des peintres enfantés par ses terres, par son histoire, par son identité. Puis vous y verrez aussi des petits trublions, bousculant toutes les idées reçues sur cet art qui appartient à tous et à personne. Voici donc l'histoire du peintre Marchini, l'épéiste, consacré il y a peu parmi les 50 plus grands maîtres de l'art contemporain dans le monde, et le peintre Martinetti, le bousculard. Ce duel qui prouve une nouvelle fois que la culture corse innove et réinvente vous plongera dans ce qu'on appelle, dans son sens le plus noble du terme, la création. Ça va, Pierre Paul. Ça va, restaurant. Ça va, tranquille. Tu travailles? Ouais. Un bis quand même. Je sais que tu es un peu pris en ce moment. Je me suis libéré. Tu vas faire quoi là, Adrien? Je vais ramifier après. Je vais ramifier, je ne veux pas réfléchir. Tu vas. D'accord. Dis-moi. Tu vas faire un. Oui, non, bon. Tu vas faire un. De l'abstrait. Je vais faire ce que mon esprit me dit de faire. À ta manière. Ouais. Ok. Et puis. Je sais pas. Moi, je ne ferai pas tout à fait comme ça. Ah oui, mais toi, maintenant que tu es un maître de l'art contemporain. Il faut t'écouter, mais moi tu sais que je n'écoute que moi. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que quand même. Tu devrais, d'après moi, tu devrais te lâcher un peu. Ouais. Faire un peu de. Laisser des espaces. Plus souple. Plus souple. Voilà, plus là. Mais prends les couteaux. Vas-y, hein. Éclate-toi. Exprime-toi. Tu es sûr? Maintenant, tu es un maître. Montre-moi. Ok. Tu vas rien regretter. Non, bien sûr que non. Tu penses bien. Puis de toute façon, l'art c'est le partage aussi, non? Ouais. Il paraît. Thank you.
J'empiète un peu sur tes plateaux. Oh, je t'en prie. Mais je t'en prie. Ça devait bien arriver un jour. Hein. Je suis chez toi. Merci. J'en ai rencontré. Merci. Tu vois, on est deux. Mais je sens comme une présence entre nous. Ouais. Présence spirituelle. Je sais pas. Hop là, désolé. Hein. Désolé, mais... Il se peut qu'on nous observe. La fusion est faite. On le voit bien. Parce que sur ce que tu as fait toi, je vais te laisser quand même. Tu vois, voilà. Toi, ici. Oui. Moi, ici. Là. Là. Je ne touche pas. Là, je ne touche pas. Là, je laisse ta patte. Et là, je fais la fusion, là. Ah oui. Avec ces différentes couleurs. Oui. Tu ne peux les sortir que là-dessus. Ah oui, d'accord, oui. Adrien. Oui. Montre juste à toi. Regarde. Cap. Fais-le là, ça. Ici, là. Ouais. Fais-le. J'ai compris. Oui. Absolument. Là, ça donne le relief, là. Il y a le relief du trait, on va regarder en 3D. Bon, les traits là, regarde ce que ça donne. Les traits là, regarde ce que ça donne. Regarde. Constate une chose. Regarde les traits que tu as fait là, sur ma peinture, ouais. Et les traits de chez toi. Ouais. Là, on dirait que c'est du 3D. Oui, du relief. Du relief. Ouais. Là, il n'y a rien. Ouais. C'est la différence entre les lèvres et le maître. Que ce soit là ou là. Ouais. C'est l'élève qui l'a fait et qui l'a pensé. C'est pas le maître. Oui, d'accord. La pensée, c'est bien. Allez. Mais l'exécution. Regarde la différence entre là et là. Oui. Regarde. Là, ce sont des traits de quoi? C'est quoi ces traits-là? On dirait un filet de pêche. Regarde ça. Ouais. Tu vois, regarde. C'est la différence entre l'apprenti et le maître. Je deviens ton maître qui veut. Mais ça prend le maître. Et en même temps, le maître a toujours vocation à être dépassé par l'élève. Absolument. Qui deviendra lui-même le maître, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi va la vie. Je comprends un peu maintenant, c'est certaines personnes qui parlent de toi comme, je sais pas, comme une tâche dans le monde de l'art. Dans l'univers. Et dans l'univers corse de l'art. Et je sais pas. Je comprends un petit peu. Hein. Je comprends. Plus tu me fais venir. J'ai pas de temps. Tu me fais venir. Hein, pour qu'on fasse quelque chose. Et qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais n'importe quoi. Toi, Adrien. Mettons-le à la fin. Et en plus, il est fatigué. Ah non, je regarde. En plus, il est fatigué. Donc là, maintenant. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est là que ça commence. La fusion. elle se détecte d'elle-même. Ouais. Ça, c'est pas besoin de ça. Ça, c'est vrai. Ceux qui... Mais c'est bien qu'ils soient en dessous. Non, mais quand tu l'écris... Tu l'écris, tu prends les gens pour des cons. Toi, tu prends le spectateur pour un con. Mais. Que le type qui va regarder, il va se dire, oh oui, la fusion, oui, il y a une fusion là. Non, il faut qu'il la détecte la fusion. Mais c'est peut-être pour moi que je l'écris, hein, Capo. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais regarde, dis-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vais te poser une question. Beaucoup mieux. Bon ben, stop. Attends, une seconde. Alors moi, si vous me permettez un avis subjectif sur la fusion, elle n'est pas encore accomplie pour moi. C'est-à-dire qu'on voit bien... Non, ça, pour moi, c'est loin d'être accompli. Mais voilà, dans l'idée de la fusion, je parle là, enfin, je pas sur le côté de ce que vous faites, mais... Elle y est quand même. Elle y est quand même parce qu'on voit bien en même temps. On voit la différence de style. Oui. Et on voit en même temps...
que ça va avec. Et tu trouves qu'il n'est pas encore un peu trop détaché du style, par exemple, de la gauche par rapport à ce qui se passe sur la droite? Au contraire. C'est comme ça. Ben, il faut. Parce que sinon, si tout est comme ça, je parlais, c'est une toile à moi. Oui, oui. Non, mais... Et de l'autre côté, la fusion, elle est faite. C'est toujours de se poser la croix. Mais il faudrait que je le fasse. Non, non, mais c'est bon, je suis après mon regard. Maison, merci. Oui, que toi, tu oui. Maison, c'est bon. Maison. Alors, regarde, la fusion. Alors, la fusion va arriver du fait que. Par le fait que je vais lui mettre. Sans poli. Mais tu vas compter les. Ma matière. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, en fait. Et lui, il va faire quelque chose avec ça. Ses traits à lui, enfin son coup de patte. Voilà. Nous remarquerons qu'il y a quand même dessus de là des trous blancs. Pour le néophyte, ce sont des trous. Ah, le trou est un trou. Et le trou est obligatoire. Mais. Sans trou. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et sans vie, il n'y a pas de trou, donc voilà. Non, c'est. Là, on. Alors, on se mord la queue. Et oui, tes spaghettes. Oh, tes spaghettes. Non. Voilà. Comme ça. Pour fuser. Fusionne. Ça bouge. Faut que ça fusionne de partout. De partout, Pierre. Alors, attends. Permesso, vas-y. On va voir. Alors, il y a un autre truc, il y a un autre aspect qui est très important. C'est le contraste. Oui, ça, oui. Voilà. Il faut qu'il y ait du contraste. Sans contraste, alors tu vois là, on voit déjà que comme il y a beaucoup de peinture et que le glacis n'est pas directement posé sur la toile. Oui. Il se fond, il devient déjà plus épais, tu vois. Oui, absolument. Il n'y a pas la fluidité que si tu l'emportes seul sur la toile, parce qu'il est sur l'autre peinture, d'accord. Ouais. Et qu'il en a mis beaucoup. S'il n'en met pas beaucoup, ça va. Il le recouvre. Tu vois, là, il y en a beaucoup, donc. Mais le contraste, c'est important. Plus les couleurs, on va se contraster. Le contraste se fait beaucoup entre des couleurs opposées. En fait, il faut. Pour que ça aille bien, il faut trois couleurs maximum. D'accord. Trois couleurs. Maximum 4. D'accord. Stop. Bon, il y a assez. Attends. Regarde. L'équilibre. Là, pour moi, bien, recul. L'équilibre. Regarde. Vu que on a mis là, et on a mis là. D'accord. Ouais. Pour moi, un coup noir et un coup rouge. Hein, par exemple, un coup noir là, un coup rouge. Non, mais que ça vienne comme ça. Ouais. Et que ça vienne comme ça. Alors, mets du gesso. Non, ne touche pas. Mets du gesso alors. Juste mettre un peu de truc pour l'équilibrer. Mais sinon, le reste, c'est bon, hein, Adrien. C'est plus la peine de rajouter. Hein. Non, je rajoute pas, je crée de la fusion un peu partout aussi. Non, mais n'en mets pas de trop de ça. Il faut qu'il n'y en ait pas de trop. Sinon, ça va faire un plat de spaghettis. Non. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Donc, on en met un peu là. Parce qu'il faut qu'il y ait les petits spaghettis et en même temps la largeur, qu'on puisse la voir, tu vois. Hein, un peu de largeur comme ça. Et en même temps, ça c'est au milieu. Mais il ne faut pas qu'il y en ait deux trop, sinon l'équilibre atteint. Voilà, c'est bon. N'en fais plus. Est-ce que tu ne veux pas prendre le risque de faire des traits perpendiculaire et parallèle. Des petits. Ouais, ultra fins. Non, ça va faire trop. Tu es sûr? Ouais. Par exemple comme là. Ça, tu dis, attends. Non, vas-y, ouais. Comme ça. Quelques-uns, ouais. Il faut pas qu'il faut. Alors on fait un truc. Mais attends, on fait un truc, on fait les pieds. Regarde. On fait les pieds. Pour que ce soit pas trop bien. Que ça reste esthétique. Ah viens, ne touche plus rien.
tu veux faire une étude qui ressemble à vous. Parce que même si tu dis qu'il faut pas trop en donner, mais regarde bien Pierre-Paul. Est-ce que ça ressemble vraiment à une épée? Ça ressemble à un saucisson. Regarde, viens voir. Ah, c'est marqué pas trop d'eau. Regarde. Moi, je te propose un truc pour la signature. Viens. On va pas mettre les mots. On va mettre. Non, si on doit le mettre,